Ouais, le mec qu'on n'arrête jamais, vous savez où il est? Vous savez où il est? Il est là! Ouh! Faut être barjo, sérieux, pour streamer à quelle heure? 2h passées du matin? Le premier jour de sa sortie d'hosto? Ah, le mec, il est fou! Génial, comment allez-vous mal, les viewers? Oui, je vous rappelle, je commençais toujours les streams par comment allez-vous mal? Eh, il y a une raison pour ça maintenant! Oh, là, il est sous, vite donc. Elle est bien cette bande-annonce, regarde ce jeu. Omno. On va le découvrir semaine prochaine d'ailleurs. Il vient juste de sortir et c'est mon petit délice du moment. Offert par les tipeurs de l'émission. La vie est pas formidable. Non, elle est géniale. Mais... Est-ce que je vous résume un petit peu tout ce qui s'est passé? Pff, il y en aurait tellement à raconter. Je pourrais faire un bouquin, les gars. Je vais faire un bouquin, tiens, d'ailleurs. On va faire comme ça sera mieux. Version courte. Monsieur K vous a quitté le 16 juin 2021. Oui, non, je déconne même pas. Et ma 8e vie s'est arrêtée. Oui, on a plusieurs vies, nous, les humains chats. Et donc, le 16 juin 2021, ma 8e vie s'est terminée, s'est achevée. C'était moche, c'était vraiment très moche, c'était dans l'urgence, hein. C'est très... Il y a eu un gros camion rouge avec un beau clignotant bleu sur le toit, et heureusement qu'il était là, bon peut-être pas les individus qui étaient dedans, qui ont carrément fait des conneries, ont failli me buter. Oui, des pompiers, si ça vous met pas dans la bonne position par rapport à vos symptômes, ça peut vous tuer, hein. Donc le transport était très très long jusqu'à l'hôpital, car oui, Monsieur K est allé à l'hôpital, pour la première fois de sa vie. Est-ce que je vous détaille le reste? Oh, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être plein de détails qui sont pas vraiment constillants. Hein. La version courte, c'est que j'ai eu quelque chose de quand même très très grave qui fait qu'on vous ouvre en deux, oui, comme un petit cochon. Et on enlève votre cœur parce qu'il va pas bien votre cœur. Et on essaie de le réparer. Et donc pendant qu'on répare votre cœur, bah, il est posé sur la table à côté, ils essayent de pas le faire tomber par terre. Et vous, vous êtes avec une machine qui fait tourner votre corps à sa place. C'est très bizarre. Et tout ça, je l'ai pas vu, je suis très content de ne pas l'avoir vu. Et si vous tombez sur des images, ne me les montrez pas, je vais vomir. En tout cas, ça a été très dur, ça a été très compliqué, ça a été douloureux également, je vous rassure. Mais voilà, après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, 44 jours au total, Monsieur K est encore là pour sa 9e vie. Incroyable, Monsieur K. Bon, je vous signale que chez nous, les chats humains, on a 9 vies, hein, pas une de plus, c'est fini. Donc c'est la finale, celle-là, va falloir profiter un peu. Donc, vu que c'est le premier soir où je suis chez moi, je suis super excité, quoi, je suis comme un gosse. Cette soirée, ça fait 44 jours hein, que je l'attends. Et du coup, bah, j'ai du mal à dormir. Même si on m'a filé des trucs magiques pour dormir, faut pas en abuser, c'est une saloperie. Oui, Big Pharma, tout ça, Berk. Et donc j'ai pris un super cachet pour dormir, mais il a fait 4 heures. Ce qui est quand même un sacré fail. Oui, faire tomber Monsieur K, faut y aller. Le seul truc qui pourrait me faire tomber, c'est l'alcool, et j'y ai plus droit. Donc ça règle le problème à la source. Je me suis dit, tant qu'à faire, fais-toi un test. Et on va tester les réflexes, voir s'ils marchent encore, si la motricité n'a pas trop perdu entre temps. Alors j'ai l'air plaisanté comme ça, mais c'est pas vraiment le cas, parce que je vous garantis que... Il y a quand même des petits séquelles neurocérébraux qui peuvent exister et ça me ferait un peu yesh que j'ai plus les réflexes d'antan. Bon, la bonne excuse, c'est que ces jeux-là aussi, ça fait un moment que je les ai pas parcourus. Un mois et demi minimum. Et du coup, j'ai oublié des choses. Donc j'ai deux excuses pour m'en sortir à peu près correctement sans que vous me siffliez après. Est-ce qu'on va y aller? Oui, regardez, je suis chaud. Je fais craquer mes doigts. Crac, crou, cric. Et on va donc se faire un petit test Mushi Mesama pour voir dans l'état où je suis. Je préviens d'avance, il est probable que j'utilise les lunettes aujourd'hui. Oui, je suis plein de nouveaux accessoires, je suis bionique pour cette version 9.0 et ça va être assez marrant. Le temps que je fasse le setup, je vais faire les remerciements parce que quand même, hein, on a beau dire, les gens sur internet, ils n'existent pas. Ils existent vraiment, c'est des vrais gens.
Heureusement que vous étiez là, les gens, parce que je vous garantis que quand on est coincé en milieu hospitalier 24-24, c'est pas tous les jours la fête. On essaie de se faire un mental d'acier, on essaie de se motiver pour être tout le temps au taquet et y croire. Puis il y a des jours, ça marche plus, quoi. On sait très bien qu'on se pipote un peu parce que ça patine dans le nougat, ça avance pas, c'est douloureux, c'est pénible. C'est cette impression que c'est au-delà des limites qu'on peut gérer. Et heureusement que vous étiez là, toutes les communes. Oui, toutes les communes. La commune de The Big Game Husky, la commune des betteraves, la commune des Hungry Demons, essentiellement. Je crois qu'à L3, elles ont résumé le boulot qu'ont fait le reste des gens. Il y avait les gens sur Twitter aussi, et dans d'autres communes également. Mais voilà, merci. Vous avez été là, quoi. Et franchement, cœur sur vous. Hein. Non, encore cœur, trois cœurs, là. Ouais, pas trop donné de cœur quand même. Maintenant, il y a un truc spécial. Oui, je suis en carbone. Est-ce que je le fais, ce setup, ou je continue de parler comme une nouille? On va essayer de faire le setup. Là. En tout cas... Oh merde, il me demande mon mot de passe, je m'en rappelle plus, moi. J'espère. On y croit? On y croit. Si ça marche pas, ça marchera pas. C'est bon. On n'est pas passé loin de la cata. J'ai arrêté le son. Bip. Le jeu devrait plus trop tarder. Donc ce soir, un petit mouchi, mémé, ça m'a HD, tranquille, en mode noob ou moyen, je sais pas, j'hésite encore. Histoire de se voir les dégâts, histoire de voir si je suis vraiment obligé de jouer avec les lunettes. Je vais essayer sans d'abord, parce que ça me fait vraiment... Avec une capture, ça marchera beaucoup mieux. Capture de The. The veut le The, mais quel de The? Défaut. Plop. Ça devrait être bon chez vous, les amaches. Regardez-moi ça. C'est pas beau? On va entendre un gros chpouing. Bazinga. J'étais en mode range. On va éviter le range. Je vais remettre tous les trucs dans la tête. Novice. On verra si ça se passe vraiment très mal. Normal, c'est pour se faire mal. Range pour des points. 1.5, c'est celle que j'aime bien. Hein. Ouais, vous vous rappelez? Mais elle va me faire mal, je crois. Vous voulez qu'on aille dans la 1.5? Ouais. Moi, je m'en fous. De toute façon, c'est... J'ai pas l'impression que je vais être bon ce soir pour ce rattaquage. Oui, ce jeu est pour utiliser sur Terre et seulement sur Terre. La Matsuri 1.5. Elle va peut-être me piquer un peu les yeux. Mais c'est pas grave. Maniaque. Ça va bien le son chez vous? C'est un peu fort? Ouais, moi aussi. Je vais voir si je vous baisse pas un chouille. Désolé pour la coupure. Ça revient. Vous êtes prêts? Non, mais je dis ça pour vous. Hein. Moi, ça va, je suis tranquille. On y va. Pourquoi j'ai dit oui, nom de Dieu? J'ai rien compris ce que t'as dit, chérie. On y va. Alors, je vais pas trop parler. Hein. Voilà, je vais pas trop parler quoi. Oui, il faut que je me rappelle des matrices. Il y a un petit peu de mémoire malgré que je sois médisant à dire, c'est que les chemins horizontaux, il faut de la mémoire. Vertico, mine de rien, il y a quelques matrices qui nécessitent de se les mettre dans le cornet, parce que sinon ça peut que mal se passer. Merde, c'est ballot ça. Double ballot. Ouais, je vous avais dit, les lunettes, on va peut-être les dégainer. C'est une probabilité probable. J'ai pas envie, parce que c'est... Vous savez, c'est des loupes. Donc ça grossit, mais ça déforme aussi, c'est dégueulasse. Et on n'aime pas trop ce qui grossit par chez nous. Surtout que c'est l'été, qu'on doit être en maillot.
Non, pas en mayonnaise, en maillot de bain. Bon, mais qui vois-je. Attends. Tu croyais que j'allais t'oublier, t'es con. Merde, oh là, c'était chaud. Oui, je me suis un petit peu excité sur ce passage et j'aurais pu me prendre la dernière boulette là qui m'a épargné. Oui, je vous dis, même quand j'ai du bol, j'en suis à ce point là. Ça se passe pas trop mal, je trouve, les amis, mais je vous rappelle qu'on est au premier niveau et un shmup, c'est au troisième qu'on voit ce qu'il a dans le bide. Donc là, on est en mode échauffement, clairement. À table. Qui n'a pas eu ses boulettes? Qui veut de la boulette? Elles sont belles, mes boulettes, elles sont fraîches. Regardez-le, yum yum. Hop, bouge pas, toi. Là. Bouge pas, toi non plus. J'ai le temps. Regarde le gros là-haut. Hop. Le gros là-bas. Regarde, hop. Bah oui, mais la zénitude de Monsieur K reste intègre. Elle n'a rien à voir avec ce qui lui est arrivé, et voilà. Et les hop. C'est qui le boss? C'est Wham. Va jouer chez Mémé, comme on dit. Oh merde, j'ai raté celui-là, c'est la merde. Bougez pas les gars, j'arrive. Hop. Quelle nouille. 3 life déjà, 3 life, vous avez noté? C'est triste? Ouais. Pom, du calme les gros. Pom. Je me gratte là, ça compte pas. Oh. Putain, on peut pas se gratter dans ces shmups. Avant les années 2000, on pouvait. Hein. Enfin, on pouvait, je rigole. Mais il n'y avait pas une telle densité de bullettes sur l'écran. Vous voyez? Attendez-moi, mes clés, tout ça, vous savez bien. Oh là là. Le retour de Monsieur K est fracassant, je crois. Bravo, c'est nul. Et alors, celui-là, je l'ai cherché, je l'avais plus en tête, ce pattern. Et la petite fourberie fourbe a fourbité. Comment ça, ça se dit pas? Bah si, maintenant, ça se dira. Du calme, je passe là, tiens. Ah, ça changerait. Oh purée, le changeage, c'est pas maintenant les gars, hein. Vous êtes pas un petit peu comment ça, c'est pas un nom, quoi. Bon, on dit que le ramon, c'est quoi ce parti débile là? J'ai plus le nom. Oh, faut être con pour avoir un nom pareil aussi, faut dire. Bon, en tout cas, les nains là du gouvernement qui font de la merde, oui, c'est eux. Je mets les lunettes, vraiment, il va falloir mettre des lunettes. C'est scandaleux, celui-là, vous pouvez le siffler haut et fort. J'ai été très mauvais. Mais ça va, j'ai pas trop perdu, je suis content. Alors, il y a cette histoire vraiment de vision, hein, il va falloir que je corrige. Le reste m'a l'air intègre, j'ai toujours mes réflexes. Alors, je peux le dire sans honte, oui, j'avais la hantise. Vu que... Est-ce que je dis tout? Non. Non, c'est quand même des trucs de santé, pas déconner. Bah, ça a été quand même très grave le malaise qui m'a arrivé. Imaginez que vous avez un tel problème que, ouais, je vais le dire après. Là j'ai des problèmes déjà. Vous avez un tel problème que, je vais le dire beaucoup plus tard je crois. Je le dirai pas en fait, c'est mieux.
Bon, en fait, bon, je le dirai pas sur ce tableau, c'est clair. Rendez-vous au tableau suivant pour vous dire le problème que j'ai eu et qui m'a amené aux urgences. Ce soir, on saura tout sur Monsieur K, ça va être terrible. J'en profite qu'il y ait personne sur le stream. Vous dormez, les gars, le vendredi, qu'est-ce qui se passe? C'est 2h du mat, là, on va en boîte. Oh, ça, c'est vraiment les lunettes qu'il me faut, je vous le confirme. Je confirme ces putains de lunettes. Ça se trouve, je vais refaire le run juste derrière si je suis pas trop naze. Avec les lunettes pour voir s'il y a une petite différence, parce que ça me rassurerait ou ça m'inquiéterait, je sais pas. Mais c'est pas très normal ces endroits où j'arrive pas à passer alors qu'il y aura vraiment beaucoup d'espace, hein, soyons clairs. Et dans l'espace, la guerre est comment? Elle est splendide. Oui, Dixit San Kukai, je le répéterai toujours, ça. Merde. Ça, c'est mon réflexe qui a merdé. C'était un peu limite. Kermit fait une peu la grenouille. Non, faut pas que je chante, ça marche pas. Alors faut surtout pas que j'invente des paroles. Vous avez vu les dégâts? Il y a des gens qui vont se suicider avant la fin du stream, je pense. Hop, hop. Pom, 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 pom. Non, pas trop gros. C'est un coup à faire une bonne grosse connerie comme tu as l'habitude. Et les conneries, c'est une chose dont on va se passer. Ce niveau n'est pas très compliqué. Il suffit de rester en rythme, tendrement, gentiment. Des petits à-coups. Et voilà, viens chercher le bonheur. Bouge pas, ah, tranquille, tranquille, zen. Oui, j'ai fait oublier de bouger là. Ah, viens là, viens là, viens. Non, je change de côté, regarde. J'étais là pour plaisanter. Je plaisante. Aïe, 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 oui, 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 oui. Ça a failli mal se passer, là, les gars. Non, mais ouais, ça continue, d'ailleurs. Encore et encore. Oh, non, ça, c'est un autre chanteur. Oui, grâce que pad, hein, monsieur Xbox, monsieur Microsoft. Vous m'avez toujours pas envoyé un nouveau pad, alors que je fais la pub depuis 5 saisons pour votre saloperie de merde, là. Il a plus de 15 ans, le pépère, là. Faudrait faire quelque chose. Vous m'entendez comme il grince? On dirait un vieux qui est... un vieux, quoi. Donc faites quelque chose, monsieur Microsoft France. The Big Game Oski, c'est une émission, elle est en béton. Regardez, même les... bah, y'a rien qui tue le gars, quoi. J'en suis à ma 9e vie, IRL, pour faire des émissions. Ça vaut bien un pad tout neuf, merde. Sinon, c'est la Windows ouverte à toutes les doors. Alors, monsieur Microsoft, tu vas m'écouter, je vais te donner mon adresse. C'est chez monsieur K. Ouais, mais je vais pas le donner comme ça sur le net, vous rêvez les mecs. Chez Monsieur UK à Grenoble, ça je peux le dire, ils trouveront bien. Au premier, voilà, bah t'as l'adresse maintenant, allez fais péter le pad. Je veux pas un haut de gamme, hein. Je veux pas un sans fil. Moi je veux une manette Xbox filaire de base, ça m'ira très bien. C'est exactement ce que je veux utiliser. Ah putain, je vais lui bomber. On va bomber un peu là je crois. Parce que j'ai plus trop le passage en tête. Alors comme vous l'entendez, je m'essouffle très vite. Ça fait partie des choses que j'ai perdues avec ce dramatique accident. Et du coup, ben, c'est un peu chiant parce que, pour parler, vous connaissez la densité de conneries que je peux dire dans un stream. Et je suis pas avantagé du coup maintenant, puisque je vais bomber. Ah, et j'en avais marre là, ça me stressait. Arrête avec tes petites crottes là, ça suffit. Et du coup, oui, j'ai un petit quand même souci sur le souffle, et ça va revenir, puisqu'il y a quand même une bonne nouvelle derrière tout ça. Je vous la dis juste après.
En plus, j'ai pas tout dit ce que je devais dire avant. Ça va en faire des choses à raconter. Donc oui, Monsieur Oka et son souffle, il va y avoir beaucoup de travail. Mais la bonne nouvelle, bah, c'est que j'ai arrêté ce poison. Ce poison qui est en vente libre, d'ailleurs, dans les bureaux de tabac. Bah, ça y est, j'ai tout dit. Qu'est la clope? Et ce qui est associé, vous le savez très bien, parce que The Dude. Et The Dude avait besoin de son antidépresseur, c'est clair. Et son antidépresseur, c'était donc cette substance. On rajoutait pour les cigarettes, pour les rendre plus rigolotes. Et bah, tout ça, c'est finito. Finito le gars, peut-être pour ça que je joue moins bien. Non, ça c'est pas une bonne excuse, on va pas utiliser ce prétexte. Mais voilà. Et donc mon petit souffle, qui... c'est vrai que quand on a eu le poitrail ouvert en deux, il y a un petit problème pour le retrouver tout de suite, c'est pas immédiat. Bah, de bonnes chances de revenir et d'être meilleur que ce qu'il était avant lui aussi. Meilleur comme Steve Austin, augmenté quoi. Puisque... Finito el nicotino. Nicotino ne passera plus par moi tôt. Comprenez-vous tôt? Allez, il faut que j'arrête de parler là parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais où est donc bombe, ornicard? Il fallait bien qu'une bombe parte là parce que je commençais à faire de la. Et donc vous avez compris la bonne nouvelle? Ouais, c'est chouette. Donc, augmenter sur son petit cœur. Augmenter sur son petit souffle. Je vous le dis, je vais être le Steve Austin du stream. Les mecs, les jeunes qui prennent de la coke, là, ils vont pas pouvoir suivre. J'irai trop vite pour eux. Et naturellement, ça produit. Donc voilà. Bon, c'est pas encore en place, ça se voit, mais j'y travaille. Ah, ça passait, ça, madame. Il est bien, le chat. On va se faire une petite pause avant que je fasse la deuxième partie avec les lunettes, je crois. Pas bon. Oh putain. Parce que j'aime pas quand il faut viser. Mais bon, vous voyez, je vous ai dit quand même plein de super bonnes nouvelles. C'est chouette. Donc sorti du problème de l'accident en lui-même. Ça s'est plutôt bien terminé, je trouve. Et tout le monde est content, y compris vous, regardez. Vous êtes tellement content d'ailleurs que ce soir, bah, ou pour cette redite, vous allez aller sur le Tipeee de l'émission. Il faut bien qu'on en parle un moment ou un autre. Et puis vous allez vous inscrire, être un nouveau tipeur d'émission, pourquoi pas. 2 euros, c'est même pas un café. Parce que j'ai une cinquième saison à vous préparer, je vous garantis qu'elle est cossue. Elle est épaisse, elle est grasse, elle est goûtue. Vous allez vous faire plaisir, parce que si vous aimez les nouveautés, les shmups, les previews... C'est tout ce que je vous ai programmé. Et j'ai toute la programmation de la rentrée à rattraper, ce qui est un énorme boulot. Je vais faire que ça depuis août. Donc la note et la date. Oui, jusqu'au 15, je ne vais faire qu'enregistrer toutes les émissions que j'ai en retard depuis 44 jours. Oui, parce que j'avais accès à Internet là-bas, mais je pouvais pas enregistrer les émissions, c'était pas possible. J'étais pas en état. Alors je vous conseille par exemple de ne pas enregistrer une émission quand vous êtes en réa. La réa, c'est mal. Et là, j'en garderai un souvenir impérissable. Version courte, la réa, c'est vous vous réveillez, vous avez plein de tuyaux partout dans le corps qui font quelques centimètres, donc vous pouvez vraiment pas vous déplacer parce que vous avez l'impression que vous allez tout arracher. Et vous avez toutes les douleurs du monde en même temps, dans différents endroits, y compris des nouveaux que vous ne connaissiez pas. Vous ne saviez pas qu'on pouvait avoir mal là. Et vous avez des machines qui font ping pong, tchouk 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 à quelques centimètres de votre oreille. Bref. Les deux premiers jours de réa, si vous avez arrivé à dormir, plus de 30 minutes, considérez que c'est un privilège. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et je leur ai dit, si je sors pas de réa, que vous me shootez pas avant, il faudra me buter, parce que c'est moi qui vais buter quelqu'un. Je leur ai dit, cache comme ça, et ils sont arrangés pour que je sorte le troisième jour. Je puisse me mettre dans une autre position pour m'éloigner de la machine qui faisait tchouk 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 tchouk, pic, pang, boum, à côté de mon oreille. Et m'autoriser exclusivement des séances de sommeil de 30 minutes. Oui, le deuxième jour, on a envie de manger des gens pour vrai sans se forcer. Mais sinon, je peux vous conseiller Chris Rea, qui est un musicien, et ça se passe beaucoup mieux avec lui. Même si sa musique ressemble un petit peu à tchik 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 pou pou. Oh, ça, c'était méchant et gratuit.
Doucement. Doucement, t'as dit gros. Douce, t'écoutes rien là, qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, est-ce que je l'ai bon aujourd'hui? Ouais, on va l'avoir bon. Non, dans le... Hop, hop. C'est quoi ce nouvel endroit? Dans le conduit de... Oh, merde. Ouais, non, mais pff, ça veut pas. Normalement, faut passer au travers les grosses boules, parce que je vous rappelle qu'elles ont une hitbox, elles aussi. Elles ne font pas la dimension qui s'affiche on the écran. Elles sont un poil inférieures, et donc il y a un moyen de passer dedans sans que ça panique trop. Ah, je suis pas bon, si. Bouge. Non, on bouge pas comme ça. Et je disais donc, oui, les grosses boules, elles ont pas la hitbox qui représente l'intégralité de la boule. Elle est beaucoup, beaucoup plus petite. Et ça, vous le dites pas aux gens qui ont l'air de jouer la première fois comme ça, ils croient que vous êtes un dieu. Puis au bout d'un moment, ils commencent à se dire, ouais, mais le jeu est cheat, il passe à travers les tirs. Ah, je vais vous donner tous les trucs ce soir. Tant qu'il y a être éternel, autant partager. Chante. Presque, hein. Ah, c'est sur le Futari Black Label que j'adore chanter. Celui-là moins déjà. Celui-là il me fait un peu plus mal. Merde, ça c'est ma connerie. Désolé pour le langage, pas désolé, hein, vous me connaissez. Doucement. J'ai un temps de retard, moi. Ou d'avance, je sais plus. Ah, redescend, couillonos. Une oreille qui siffle, ça veut dire qu'il va y avoir une grosse connerie dans pas longtemps. Ah, faut que je revienne tout à droite, les filles, c'est pas gagné, là. Gagné. On y va. On y croit, on y va. Putain, merde. Dommage, parce que je l'aurais rattrapé, celui-là. Il aurait été magnifique. Faut pas tout avoir. Attendez, je resynchrone. Je suis plus dedans, là, les mecs. Arrêtez. Je vous demande de... Je le fais super mal, cet homme politique, en plus. Je vous demande de pas continuer, quoi. Soyons clairs. Non, je fais de la misérable... Je savais que j'aurais des séquelles de cette aventure. Hop là, on va là-bas. On est bien là-bas. Non, je regrette, je retourne là-bas. Non, là-bas, c'était mieux. Tellement mieux. Oh, regarde, un trou, je passe. Puis même qu'il n'y a pas de trou, j'ai tendance à passer des fois quand même. Hop, hop, bouge. Oh, putain. T'as failli la faire là, où j'ai rêvé. Là, c'est vieux. Alors. Oui, je vous rappelle que Monsieur K n'est pas vieux malgré le demi-siècle bien tassé. Car, Monsieur K ne vieillit jamais. Bah, trouvez-moi un autre mid-life gamer qui fait des trucs comme ça. Allez-y. Vous avez des noms là tout de suite? Mister quoi? Mais il est pas mid-life. Zera quoi? Mais il est pas mid-life non plus, c'est des petits cons en comparé. T'appuies sur le nez, il y a du lait qui sort, comme on dit. Alors, trouvez-moi des midlife. C'est qui le midlife? C'est WAM. Et voilà. Donc, vous arrêtez de faire les cakes maintenant. Hop, hop, redescend. Vous avez intérêt à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quand je revienne en septembre, il y a des zilliards d'abonnés, de nouveaux, tant qu'à faire. Parce que les anciens, bah, ils sont usés, regardez. Ouais, donc vous êtes. Faites gaffe à pas faire un malaise quand même, hein. Vous m'inquiétez là. Quand je vous ai dit que je serais augmenté, faut me croire. Vous avez vu la patate du gars, quoi. Et pourtant, c'est pas faute de faire des exercices, puisque on vous dit que quand vous êtes opéré d'une telle manière, il va falloir sérieusement bosser derrière. Et je vous raconte pas le nombre de bornes que je me bouffe tous les jours, le nombre d'exercices de gym que je fais tous les jours. Bref, et sous une machine, comme un terminator. En plus gras, parce que j'ai pas le droit de travailler certaines parties du corps. Allez, on va détailler, on va faire un peu de biologie.
quelle partie du corps n'a-t-on pas le droit de travailler après une sternotomie? Vous avez 20 secondes. Bah, autant que ce soit éducatif, hein, les conneries que je dis. Bah, c'est facile quand même. Donc la sternotomie, ça concerne le sternum. Hein, c'est ce qu'il y a pile au milieu du torse. Oh merde. Ah, j'ai vraiment cahier. Bah, il est évident que toutes les parties hautes du corps, il y a les molles hauts, donc vous perdez tout ce que vous avez dans le dos, les dorsaux hauts en particulier. Ce qui est chiant pour dormir. Hein. Oui, alors les gens qui dorment sur le dos, ça va, mais... Les adeptes des positions sur le côté, bobo. Et puis surtout, vous perdez toute la ceinture abdominale. Et quand vous avez une ceinture abdominale qui a été travaillée à coups de bière brune, bah c'est pas beau. Alors c'est vraiment pas beau du tout, quoi. Vous êtes là, vous avez le vide que vous aurez dans 20 ans. À part que vous l'avez tout de suite. Et ça fait mal. Non mais je peux le dire, ça fait mal. Donc je vous envoie pas des photos de mon bide, c'est sur le Discord. Allez-y. Non, n'y allez pas. Et pour ceux qui sont sur le Discord The Big Game Husky, le premier qui clique ça, je le défonce. C'est le truc que je veux que personne voit, quoi. Alors pourquoi? Ça, je peux le détailler. C'est particulièrement dégueulasse, accrochez-vous. Pourquoi est-ce dégueulasse? Bah parce que dans les traitements qu'on a, il y a un petit traitement qui est chimique, qui fait la fortune de labo, puisqu'on va le prendre à vie. Là, je vais bomber, là, les gars. Et qui, au début, est fait avec des piqûres. Une piqûre qu'on vous injecte toutes les 8 heures. Oui, toutes les 8 heures. Donc ça veut dire midi, 20 heures. Et la suivante, elle est à quelle heure? 4 heures du mat. Ouais, c'est génial. L'infirmière, elle rentre à 14 du mat et vous dites « Oh, j'ai enfin mon rencard !» Et là, elle vous tend la piqûre, ça me gâche l'amour. Et donc, du coup, bah, vous avez un bide qui, au bout de quelques semaines, oui, ça dure plusieurs semaines, ressemble vaguement au bide du mec qui aurait dormi sur une fourmilière. Mais alors, pas des fourmis noires, hein, des rouges. Et c'est diabolique. Et à la fin, vous en avez marre. Alors, il y a le choix entre piquer dans le bide et piquer dans la jambe. La jambe, j'ai que du muscle, donc je sentais la douleur, j'ai préféré le bide, un gras que je suis. En deux mots, un gras. Merde, mais il arrache la pédale de frein, gars. Heureusement, la chimie fait des miracles, et où est donc Ornicard? Et au bout d'un moment, on équilibre ces piqûres avec des médocs qui sont beaucoup plus longs à agir. C'est pour ça que ça prend du temps au rééduc à trouver le bon réglage pour vos tuyaux, pour que votre turbo-injection soit parfaite avec votre nouvelle valve en carbone, je le rappelle. Oui, Vin Diesel, accroche-toi, j'arrive. Merde! Je pensais à Need for Speed en même temps. Oui, il y avait un carbone, un volume qui s'appelait carbone quelque chose. Ça va être la merde, là, je sens. Ah oui, non, c'est pas encore le pattern caca, c'est le prochain. Je fais de la merde aujourd'hui, mais faut pas m'en vouloir. Il est 2h du mat, c'est mon premier stream. Post-op. Donc, profitez, hein. Profitez de ma douleur. Vous voulez apprendre? Non, c'est une chanteuse qui fait ça. Prenez la passe, c'est horrible. Je fais Nawak aujourd'hui. Oh là là, monsieur Nawak. Bougez pas, j'arrive, je passe là, moi. Ouais, non, mais il est ouf, le mec. Oh non, pas les petites crottes, il accélère, j'aime pas. Oh putain. Oh putain. Oh putain, ça tombe bien, j'allais te bomber la gueule. Donc, j'étais en train de dire quoi? Des conneries, ça, on le savait, mais voilà, je vous ai raconté tout ce qui s'est passé dans ces 44 jours. Qui explique, ben oui, vraiment le fait que j'ai pas streamé avec la même fréquence qu'avant. Allez, on y va alors. Bouge. Donc je vous fais un petit récap de ce qui va se passer maintenant que Monsieur K est réparé. Semaine prochaine, je me réentraîne pour les lives avec vous et grâce au tipeur The Big Game Husky que vous avez le droit de rejoindre hein, sur le Tipeee. On va explorer ensemble un joli jeu qui s'appelle Omno. Alors, si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, puis vous cherchez Omno, et vous tomberez sur la preview que j'avais diffusée il y a 2 ans, bien tassé. Toute la semaine, bah, du coup, j'enregistre le jeu en entier,
et puis j'en ferai une review complète avec du montage, qui elle sera diffusée sur YouTube, bien entendu. La chaîne YouTube, pour sa part, va rattaquer le 16 août. Oui, c'est un lundi, le 16 août. Et elle reprendra son rythme, je l'espère, de 3 émissions par semaine, c'est-à-dire le lundi nouveauté, le lundi nouveauté. Le mardi, ben, soit une preview, soit un full run, c'est-à-dire un jeu qu'on va parcourir en épisode. Et puis le mercredi, le sacro-saint shmup. Vous croyez pas que je vais m'arrêter? On en est à plus de 500 shmup chroniqués déjà. Et je continue. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de reprendre les streams, de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. Je vous prendrai presque la joue comme ça, je ferai un grigou. Prenez soin de vous. Profitez des derniers bouts de vacances qui vous restent. Profitez du dehors, c'est important. Bon, faites gaffe, des fois il peut y avoir des orages. Hein. On choisit pas la météo qu'on veut. Et puis, si vous êtes coincé en orage, venez sur la chaîne. Il y a bientôt plus de 1000 émissions au compteur sur le canal YouTube. Si vous trouvez pas un jeu qui vous plaît dans tout ça, je vous donne le droit de me couper une main. Non, je déconne. Allez, je vous fais des bisous, même si Covid, tout ça, et je vais pas m'étendre là-dessus, et les crétins des gouvernements, mais... bisous, quoi. Prenez soin de vous, profitez des derniers bouts de vacances. On se retrouve au plus tard, le 16, sur YouTube. Vous allez voir que cette 5e saison, elle va défoncer. Un spécial merci à vous.